nous toujours dans l'église Tabernac de premier chrétien, pas ça? Et ensemble avec nous, nous avons pasteur Gérald, pasteur Jonathan et c'est même Gio. Rapide vite, nous ensemble avec pasteur Joël et Milka, pasteur Joël sur TGTV Canada, nous disons bonjour. Bonjour, John, comment nous est? Bon, nous très bien, grâce à Dieu. Et jeudi, dimanche, nous sommes obligés de faire comme toujours. Et nous toujours dans l'arrière pour nous faire un encadre micro 3 et écouter qu'il n'a pas une réaction des amis. Et bien que nous connaissons, et dans l'église, c'est pas un côté qui majorité fidèle et pasteur fait politique. Mais nous sommes obligés de faire dans la crise PIA, la conjoncture politique PIA. Très rapide, pasteur Joël Oualba, nous ne prenons pas de conjoncture politique PIA. Bon, nous saluons tous les amis qui attendent de nous, qui regardent nous sur NewTV. Et TGTV, nous saluons, nous espérons que tout bagaille bien. Eh bien, nous tous connaissons déjà la situation pays a traversé dans un moment ça qui est vraiment critique pour tout le monde. Et non seulement pour les chrétiens, mais pour tout le monde en tant qu'haïtien. Donc, point de vue par la conjoncture qui a traversé en tant que chrétien, donc nous tous touchés. Or, pour qui ça nous tous touchés? Parce que nous sommes haïtiens, nous sommes compatriotes, nous vivons dans le pays nous. Et ça qui est important, qui est supposé là, c'est nous tous de mettre tête nous ensemble. Il n'est pas question de division. Nous avons un grand problème qui a ravagé le pays, un problème de conscience. Que nous tous, en tant qu'haïtiens, un, nous besoin de prendre conscience. Deux, nous besoin de réconcilier. Trois, nous besoin de pardon national. Et avec ça, nous avons un pays qui change. L'autre pour moi toucher qui est important, nous avons une circonstance qui est. Nous avons dit depuis 1804, Haïti libéré, mais nous ne pouvons pas faire rien avec ça. Ce qui est important là pour nous tout en faire, c'est à nous tout ta de chita kounia. Bon table pour nous connaître comment nous pouvons sauver le pays que nous aimons. Tout le monde a dit que Haïti, mais pas de monde veut faire sacrifice pour Haïti. Longtemps, nous avons fait sacrifice pour sauver Haïti. Mais de nos jours, tout le monde dit que Haïti, personne pas jamais d'accord, fait ça un sacrifice pour dire comment nous pouvons sauver Haïti. Nous même chrétiens, ça n'a fait qu'on y a. D'après constat, nous, premièrement, tout le monde boit poids dans le problème pays. Pas de monde qui a fait rien dans le problème pays. Tout le monde constate le problème pays, il n'y a pas de problème l'argent, il n'y a pas de problème politique, il y a un problème spirituel qui a ravagé Haïti. D'après moi-même. Le problème spirituel qui a ravagé Haïti, c'est moi qu'on a pour nous, tout Haïtien dit, nous mettons le pays à bail bon Dieu. Tout le monde t'a dû prendre conscience nationale. Pour nous dire, Seigneur, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas faire rien, nous ne pays pas diriger pour nous. Tant que Rwanda, tant que Guatemala, tant que Norvège, tant que la Suisse, qui ça vous fait? À un point tel que vous dites, vous avez bon Dieu pays, regardez pour nous comment la Suisse a marché. Regardez pour nous comment Norvège a marché. Regardez pour nous comment Rwanda a marché. Regardez d'autres pays qui est dans la difficulté spirituelle et qui ça vous fait. Zami, ou un captain d'im, matin, ça qui est important, on prend conscience pour nous voir si Haïti capable de changer. Mais qui message vous prenez pour lancer le monde qui dit, soi-disant, qui dit, c'est opposition, et qui message vous prenez pour lancer le pouvoir en place là, et spécialement le président Jovenel Moïse? Bon, dans le cas ça, le message pour me lancer avec l'opposition, hein, que nous chita ensemble. Pour nous faire une analyse politique, le pays est malade. Nous constater que le pays est malade. Pour nous faire une analyse politique ensemble. Pour nous retirer tout intérêt mesquin. Pour nous retirer tout intérêt personnel. Pour nous pays. Et deuxième bagaille qui pour faire dans le gouvernement. Que nous, tout gouvernement, prend conscience également. Que le président arrive ouais. Non, état nous arrive à son conscience nationale, fait appel. Tant qu'on t'a regardé une vidéo qui était très bon, bien la fois dernière, c'est fait appel à tout le monde, en général, sur le territoire national là, pour nous chercher bon Dieu. Pas de l'autre solution. Pour nous chercher bon Dieu. Et pas chercher dans l'hypocrisie. Chercher bon Dieu, yon pardon national, à l'instar du roi de Ninive. C'est un message moyen. Ou à Ninive là, Jonas a un message pour Ninive. 40 jours, Ninive va détruire. Et bien, qui ça? Le roi. Le message, il est tombé dans les oreilles. Le roi a demandé un jeune national. Depuis, dirigeant, rivé dans bête, un jeune national.
et bien c'est ça nous nous doit faire connaître que le président, que le gouvernement et groupe opposition mandé yon jeune national, yon conscience nationale, yon réconciliation nationale et que n'a bon l'autre Haïti, Haïti nous frère. D'accord, merci. D'accord, merci. Ah, TGTV, merci John, merci avec Jeff qui te permet que vidéo ça aille bien. Mes amis, dernier moment, en nous prenant conscience pour nous changer Haïti, nous pas qu'à vivre dans cette situation ça encore. Merci un peu, bon Dieu béni. Bon, c'était Constance Atéye et n'a continué avec travail là Jeff et toujours servite au frère de Zino Johnson et de caméra c'est Jeff. Bon, on était capable de dire on prochain rendez-vous c'est pour un prochain travail tout, on capable de dire comme ça et nous bon rendez-vous mais très connecté avec TGTV Canada.